Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui toutes les nouveautés de notre dernière mise à jour, l'édition 2022.1. C'est parti! Nous offrons depuis nos débuts la possibilité de localiser au sein de vos bâtiments grâce à des beacons. Ces balises Bluetooth permettent de quadriller un bâtiment afin de remonter la position précise de l'accidenté en cas d'alerte. Et la grosse nouveauté, c'est encore plus simple. Vous pouvez choisir de localiser en intérieur directement grâce à votre couverture Wi-Fi d'entreprise. Pour cela, associez à chaque point Wi-Fi un nom, une photo et ajoutez sur un plan son positionnement. Et voilà, votre localisation intérieure est opérationnelle, sans installation ni coût supplémentaire. Ainsi, en cas d'alerte, vous retrouverez dans l'alerte enrichie l'emplacement de la borne Wi-Fi la plus proche, mais aussi sa photo, afin de faciliter l'intervention des secours. Un nouveau produit s'ajoute à l'éventail de solutions Bipiz, le bouton SOS. Comme son nom l'indique, une fois associé à l'application, il permet de déclencher une alerte SOS par une double pression. Et avec une pression supplémentaire, c'est une alerte agression qui se déclenche. Cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir de le porter soit au poignet, soit en médaillon, ou de le glisser dans votre poche, tout simplement. Et comme une image vaut 1000 mots, on vous fait une démo. Première étape de ma journée de travail, mettre mon bouton SOS. Je peux choisir de le porter en médaillon ou en bracelet, mais en ce qui me concerne, le port en bracelet me paraît plus adapté. Ce matin, un client se montre virulent. Avec trois pressions discrètes sur mon bouton SOS, j'avertis mes managers qui vont s'empresser de me porter secours. Ce dispositif est très facile à paramétrer. Il vous suffit de passer le bouton à l'arrière du téléphone pour que l'association se fasse. Envoyer des alertes, c'est bien, mais le plus important reste de les gérer ainsi que les procédures de levée de doute. Concernant ce point, vous pouvez faire le choix d'une gestion en interne ou faire appel à notre prestataire de télésurveillance. Si vous faites le choix de la télésurveillance, il vous faut alors déterminer votre procédure. Qui seront les personnes à appeler en cas d'alerte confirmée et dans quel ordre. Auparavant, une fois cette procédure établie, un délai de 48 heures s'appliquait afin de laisser au télésurveilleur le temps de confirmer la bonne réception des informations. Désormais, la validation de cette procédure est automatique et instantanée. En effet, nous sommes maintenant interfacés avec la plateforme de notre prestataire français afin que tout se passe de manière immédiate. En France, nous sommes partenaires d'un des leaders mondiaux de la téléassistance, labellisé APSAT P5, soit le plus haut niveau de certification possible. Et grande nouveauté, nous sommes désormais partenaires d'un autre prestataire de télésurveillance, en Belgique. Il a quant à lui le label EN50518 et respecte donc la certification européenne. Comme toujours, retrouvez de nouveaux tutos au sein de votre espace formation. Au programme cette fois, l'utilisation du bouton SOS et le paramétrage des bornes Wi-Fi d'entreprise avec Bipiz Toolbox. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des idées que vous souhaiteriez voir développées, rendez-vous sur mon-idée.bipiz.com pour nous les soumettre.